Et du coup, bonsoir à tous. Bien, pour un nouvel épisode des RBRS saison 3 ce soir. Qui va se voir du coup affronter Limazia, Ballchaser face à la Team Infinity. Nouveau follow depuis. Ah oui, d'accord, ok. Je vois le TBH. THB33. Merci à toi, THB33. Alors, c'est bizarre qu'il me l'affiche pas. Je ne comprends pas. Ça doit être. Bon. Ah, j'ai oublié ce détail. Je peux rajouter le tableau. Le tableau du coup qui a déjà un mec qui est parti des Comet Blue apparemment. Enfin une équipe. Il va falloir qu'on m'explique ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais apparemment quelqu'un. Une équipe a disband déjà. Ah c'est marrant ça, tiens, ils ont mis les trucs. L'autre truc. Avec plaisir, merci de nous casser. Mais il n'y a pas de quoi, THB. Mais je sais pas où ils t'ont affiché Recent Event. Je te vois pas. Pourquoi je te vois pas? C'est trop bizarre. Pour une fois qu'il n'y a pas un follow qui s'affiche dans le. C'est bizarre. Mais en fait, peut-être que tu as affiché d'ailleurs sur le. Non, Kemulox, c'est toi? Kekomoulox? Peut-être, hein? Je sais pas. Je sais pas si c'est toi. À toi de me dire. Alors, je mets le tableau. Le tableau pour les stats de ce soir. Sachant qu'on a du coup là les avant-derniers qui vont jouer contre les deuxièmes. C'est. Non. Qu'est-ce que je dis? C'est les premiers d'ailleurs du tableau, je suis bête. Donc c'est pas mal. Ce veut être les têtes du classement contre les presque derniers du classement. Donc on va voir si les derniers arrivent à tenir tête au premier. Ça va être un match intéressant. J'ai follow avant le départ du live. Oui. C'est pour ça. C'est pour ça que je l'ai pas vu. Et du coup, normalement. Ah bah voilà, je te vois. Je te vois. Eh bien bonne game à toi en tout cas, t'es HB et puis bah bonne chance. Bonne chance à toi. Ah, du coup on voit les deux équipes qui s'affrontent, qui vont être composées de Delphi, Banana Boy et THB. Qui vient de me saluer. Et du coup, on a en face GDX Leader, Aritoka, V6Spar et Yellow Speed. On va voir du coup si. Qui va jouer ce soir? Est-ce que c'est le sub ou pas? Alors, est-ce que c'est moi qui crée ou pas? C'est la question que je me posais, sachant que ce serait plus logique. J'ai pas oublié de mettre le cross-platform, évidemment. Je déteste. Enfin, je sais pas vous, mais moi, je déteste le cross-platform. Jouer avec des Psynet, c'est. Particulier, on va dire. Parce que c'est. On a l'impression qu'ils jouent pas pareil. On joue pas au même jeu. Du coup, c'est dur de s'adapter. Alors, autant en 1v1, les Psynet sont. Ils ont un niveau au-dessus, et autant en 2v2, 3v3, ça dépend. C'est un peu kiff-kiff. Donc, je sais jamais. Salut à toi, Hermance. Merci pour ton follow. Je sais pas s'il va s'afficher pour l'instant, je ne l'ai pas vu. Le voilà. Eh bien, merci à toi, Hermance.
Et je ne sais pas si tu, si tu es un autre pseudo qui va jouer ce soir ou est-ce que tu es un supporter ou une supportrice. À toi de me le dire. Parce qu'il y en a, ils n'ont pas les mêmes pseudos in-game et en dehors. Hop là. Je mets le chat pour vous lire. Histoire de d'avoir quelque chose pour vous. Donc voilà, un Team Infinity qui a gagné ses 3 games avec une game perdue à chaque fois, je crois, si j'en vois les. Si je vois les scores. Effectivement, ils ont perdu une game la première fois. La deuxième fois, ils ont perdu deux parties. Et ensuite, ils ont mis un 3-0. C'est bien. Et les Ball Chasers qui ont perdu à 3-1. Qui ont perdu 3-1 deux fois et qui ont gagné. Eh ben non, qui n'ont pas joué de troisième match. Parce que ça doit être contre la team qui a disband. Donc ils n'ont pas pu jouer leur troisième match. Salut à toi, Griff the Man. Grise. Mec, déjà que Kedop m'a appelé Insomnia, alors toi, si je t'appelle Griff au lieu de Grise. On n'est plus bien là. Sinon, on n'est plus bien. Alors, c'est à moi de créer ou pas? Un de mes équipiers a un peu de retard, il est présent dans mon groupe, mais il est parti, je vais faire, je ne sais pas. Non, on est au moins. On crée. Infornia crée, je pense. Bah, quoi. Ouais, je crée. Allez, on va. Alors, ça va être simple. Voilà. On va faire simple les mots de passe. Voilà. On va pas faire compliqué. Ouais. Alors, c'est intéressant, mais il faudrait que. Pourquoi je join moi? Il faut que je crée. Alors, du coup, on a à gauche les Imaziens. Bah, je vais mettre BC pour Ball Chaser. Ou je vais mettre Ball Chaser direct. J'écris trop bien, hein, sérieux. Et Crispy Candy, c'était les SKG à l'époque qui ont joué. Et Team Infinity. Normalement, on est en Europe, donc tout va bien. Taille 3v3. Mutator série de 5 games. Je vais remettre la série à la main parce que j'ai eu peur d'avoir mis la curveball qu'ils ont rajoutée. Ça, c'est une bonne chose, la curveball. Et du coup. Ah oui, party only, non, je veux pas. Et en plus, ça m'a remis en US. Voilà, normalement, c'est bon. On est pas mal. Je finis de créer GDX, c'est pour ça. J'en ai l'air. Ah, putain, ça marche pas! Purée! Alors, je vais me mettre à l'aise un peu. Parce qu'il fait pas si. Il fait pas si froid que ça maintenant, donc tout va bien. On a du coup les Ball Chasers qui vont jouer du côté bleu et les Infinity qui vont jouer du côté orange. Et je leur souhaite une très bonne game. Et. Je vais changer de cadre de vue. Voilà, histoire d'avoir quelque chose de potable. On n'a plus qu'à attendre les joueurs. Et ça va être parti. Salut à toi Pandax. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que tu es un supporter? Aussi. Supporter des joueurs de ce soir. Bonsoir. Alors je crois qu'il y a déjà des joueurs qui ont rejoint. On a.
Je crois qu'on a tous les joueurs quasiment là qui sont au rendez-vous. Ouais, c'est bon, on est 7, donc ça devrait le faire. On a peut-être un spectateur. On a V6 Spar qui est là, GDX, Delphi, Aritoka, THB, Banana Boy, Oxima. Donc on est tous là, on est tous présents. Moi j'attends qu'il... On peut lancer normalement. Gadarvis. Salut à toi. Je suis supporter d'Imazia et Tanché, une équipe Imazia également. Ah d'accord, ok, très bien. Allez, c'est parti. Première game. Et ça va être un kick-off qui va se terminer par une espèce de double kick-off et qui n'a pas commencé à pousser la balle d'un côté que de l'autre. En tout cas, c'est pour l'instant les Imazia qui se sont fait un peu push par la Team Infinity ce soir. On rappelle que la Team Infinity, ce sont les number one de leur division Comet Blue qui vont affronter du coup les avant-derniers du tableau parce qu'ils n'ont pas du coup joué leur troisième match vu qu'une team a disband dans leur division. Et là, c'est une très belle action là de Aritoka avec GDX. Très belle passe bien servie en profondeur. C'est le premier but, ouverture du score, ça n'a pas trop attendu, c'était très bien, très compliqué à prendre. Ça a été bien smashé. Une très belle équipe, cette Team Infinity qui commence bien. Et moi étant sub chez l'une d'elles également. D'accord, très bien, Gadervis. Donc on a des supporters de chaque équipe. Attention à cette balle qui va rentrer et la crossbar rentrante de Banana Boy Oxima qui vient de rentrer tranquillement. Mais sûrement, c'était bien frappé. Là, ça a bien surpris aussi Aritoka qui pensait effectivement la balle est passée au millimètre au-dessus du toit. Du coup, c'était dangereux. Ça a permis. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs la balle n'a pas bougé. En tout cas, c'était très bien vu de la part des Ball Chasers qui ont pu inscrire et réduire le score sur ce coup. Ça a surpris Aritoka un partout, c'est bien quoi, ils sont tout aussi motivés là, on voit. Une bonne chose, GDX qui vient qui essaie de dégager son camp. On a Aritoka peut-être qui va servir à GDX leader en profondeur. Banana Boy qui a été présent là sur cette action. C'était bien défendu. THB qui est parti avec Dalphy. Dalphy qui va le contrer. Peut-être un saut de Banana. Oui, c'est juste à côté. Alors, en tout cas, ça a été défendu en double commit par l'équipe des Infinity. Et c'est un but de Aritoka qui vient de nulle part. Je n'ai même pas compris comment cette balle a pu être. A pu ne pas être défendue par Banana. En tout cas, GDX qui a fait un très beau flick en profondeur qui a permis de surprendre la défense des Ball Chasers. Et il y a eu peut-être un problème de vocal. En tout cas, Aritoka qui a marqué ce deuxième but pour son équipe. 2-1. C'est plutôt correct pour les Infinity. Qui ont su capitaliser sur cette erreur de défensive qui n'avait pas l'air de montrer beaucoup de difficultés normalement. Je pense que c'est un problème plus de communication. Aritoka qui remet la pression avec GDX. GDX qui va se servir du corner. Pas mal là pour mettre la pression. On sent que pour l'instant c'est compliqué pour les Ball Chasers là de défendre. Ils sont un petit peu impactés. Pas hésiter d'avoir un joueur au but et un joueur sur le mur pour défendre les deux bords. C'est plus efficace. N'oubliez pas que si vous n'avez pas de boost, c'est notre cher coach Kedop qui nous l'a dit, si vous n'avez pas de boost, préférez le mur que le but. C'est plus facile pour défendre. Et j'ai appris ça par lui, quoi. Voilà. THB qui a fait un bon dégagement là, Banana qui a su prendre cette balle mais pas remettre la balle au centre. Du coup c'est une balle qui va retourner dans leur camp. Et c'est GDX qui va s'en servir tranquillement. Et c'est Spar qui va lui finir cette action.
sur cette contre-attaque. Infinity qui vient de marquer son troisième but en ayant gêné un petit peu le défenseur de THB. 3-1, donc pour l'instant pas trop de surprise sur d'un point de vue stat pour la Team Infinity qui va chercher son 3-0 je pense ce soir, compte tenu du fait qu'ils sont tout en haut du tableau. Je pense que la défaite n'est pas une option pour eux. En tout cas, les Ball Chasers se démerdent pas trop mal, même si pour l'instant ils se font acculer. Merci à toi Alexis 94 pour ton follow. Bienvenue à toi sur le channel. C'est original d'ailleurs, Alexis 94 avec le SY. Merci à toi et bienvenue. Allez, on est reparti avec Dalphy. Dalphy qui va dégager cette balle. Banana Boy qui saisit de cette balle. Très belle frappe de Banana Boy Oxima. Putain, il y a un nom à rallonge. Banana Boy Oxima qui a su se saisir de cette balle et surprendre Raitoka et à le prendre de court du coup. Il pensait avoir le temps de dégager et il ne l'a pas eu. Il n'a pas eu le temps. En tout cas, réduction du score pour les Ball Chasers qui se démerdent vraiment pas mal sur cette première game. Banana, c'est dommage. Le dégagement THB qui va se faire un petit peu acculer par GDX. La double tap qui est pas loin. THB qui va peut-être se servir du corner pour dégager la balle. Mais c'est laissé à Dalphy parce qu'il ne doit pas avoir beaucoup de boost. Il a dû laisser sa place. Attention à cette passe au milieu pour Aritoka. Banana qui n'a pas réussi à trouver un partenaire pour dégager et qui aurait pu leur coûter un but. Banana qui va essayer de mettre cette balle contre le mur qui n'a pas été saisi pour l'instant. C'est compliqué du côté des Ball Chasers. Salut à toi Tiré. Et bienvenue sur cette game Comet Blue que je rappelle se voit mesurer le premier du tableau, la Team Infinity, face aux Ball Chasers qui sont avant-derniers et qui ont un match de retard vu qu'il y a eu un disband. Donc là, c'est pas encore géré. Et l'égalisation de Banana qui vient de passer juste au-dessus de cette défense des Infinity. C'était un très beau jeu collectif là. On a eu l'impression que Banana s'est caché derrière le partenaire un des partenaires de GDX pour sortir du lot et mettre cette balle juste au-dessus de la tête de GDX. C'était incroyable cette égalisation. Merci à toi le gamer. Bienvenue à toi le gamer 0799. Bienvenue à toi et bonjour, bonsoir plutôt. On est parti pour un overtime en tout cas qui commence du coup au chapeau de roue là pour les Ball Chasers là. Superbement joué. Dalphy peut-être. Ouh, c'est juste à la crossbar, Banana peut-être. Non, ça a été mis juste à côté. Là, ils sont en train d'acculer, d'agoniser un peu la Team Infinity. Ils doivent pas avoir beaucoup de boost. Là, il y a le boost de sang qui lui fait de l'œil. Mais c'est THB qui va s'en saisir. Du coup, ils sont encore dans la mouise. En plus, THB a saisi les deux boosts. Donc là, ils sont littéralement pas bien, ils vont essayer de choper des petits pads. La Team Infinity vient de se donner un petit peu d'air là, et c'est une bonne chose parce que ils étaient acculés. Belle défense, belle opération de la Team Infinity sur cet overtime qui a failli se faire capitaliser. THB qui va se servir du backboard pour essayer de dégager cette balle et la mettre en sécurité. Attention à Dalphy peut-être qui va se saisir de cette balle, qui va rebondir. Banana Boy, THB, c'est THB qui va s'en saisir. On n'est pas loin. Peut-être une passe THB qui s'est bien fait contrer par Spar. Peut-être Spar qui continue. Là, il y a les deux. Attention, Aritoka et GDX qui ont failli double commit peut-être. Mais ils sont bien parlés. Donc tout s'est bien passé. Allez, on a Banana peut-être. Le dégagement. Aritoka qui saisit de cette balle, qui la met dans le corner pour Spar. Ça va repartir peut-être. GDX qui s'est resservi de cette balle. Attention, dernier joueur, Banana Boy, qui a failli se faire passer peut-être.
On a une action qui va peut-être se finir d'un côté que de l'autre, là on ne sait pas. On ne sait pas, on n'arrive pas à dire qui va gagner à l'issue de cet overtime. C'est un bras de fer. Attention à Banana Boy tout seul. Spar qui s'en est servi de cette balle. Bien joué. De la part de Spar qui s'est servi de cette balle in extremis. Aritoka qui met une balle dangereuse en l'air. Banana Boy. En tout cas, ça joue pas mal là des deux côtés. On a vraiment du bon jeu. Allez, Spar, THB qui dégage cette balle. Spar qui essaye de bloquer. Attention, il n'y a personne sur cette balle. Dalphy qui a réussi à contrer légèrement. Aritoka qui met cette balle en l'air. Attention, le wall clear qui va être important. Ça aurait pu être dangereux, cette balle qui traînait au milieu. Qui n'a pas été saisie. THB, le dégagement. Attention, vous êtes deux là, les gars. De double commit. Dalphy qui s'est jeté. Troisième joueur, il n'y a plus personne en défense. Peut-être cette balle va être décisive. C'est juste au-dessus. C'était aussi un double commit de la part de la Team Infinity là-dessus. Attention à Dalphy qui va partir tout seul. Spark qui n'a pas réussi à complètement bien défendre la balle et à la pousser en sécurité. Aritoka qui va se saisir de cette balle. Il s'est fait contrer par THB. THB. THB qui va remettre cette balle au milieu peut-être. Non, ça va être pris par la Team Infinity. En l'air, Dalphy qui a touché cette balle. Attention, c'est dangereux. Banana Boy qui cadre. Et c'est GDX qui s'en saisit de cette balle. THB qui est reparti. Avec Banana Boy. Cette balle est en l'air. Aritoka qui est déjà parti. Donc ça va être chaud sans le boost. Pour THB de saisir de cette, se saisir de cette balle, de cette frappe, de cette occasion de but. GDX, il fait une belle passe là au milieu peut-être. Ouh, le selling shot qui a été très bien lu et contré par THB. C'est un niveau de bâtard ce qu'on a ce soir. J'ai l'impression que ça joue. Ouh, le on goal. Le on goal. Banana Boy qui a dégagé cette balle et Aritoka qui a malencontreusement essayé de pousser cette balle dans son corner et qui a fait un own goal qui va du coup mener les Ball Chasers à une game de gagner pour ce soir. Incroyable cette overtime, on pensait à tout sauf à un own goal pour terminer cette première partie. Incroyable. C'était pas loin, en tout cas, elle a très bien joué de la part des Ball Chasers pour cette première partie. Ils ont eu énormément d'occasions, ces Ball Chasers, mais je crois que ce soit d'un côté ou de l'autre, les deux équipes se sont un petit peu annihilées, et du coup, c'est pas mal. Très bien joué pour les Ball Chasers qui, je rappelle, sont les avant-derniers du tableau de la division Comet Blue et qui, du coup, affrontent les numéros 1. Donc ce serait une très belle victoire pour eux si ce soir ils arrivaient à s'en sortir avec une victoire. En tout cas, une game de gagner, c'est déjà pas mal pour ceux qui sont déjà... Attention à cette balle qui était devant Dalphy qui a bien su se saisir de cette balle. C'était un petit peu... il s'en est saisi tranquille, mais sûrement. Tranquillement mais sûrement, pour l'instant les Ball Chasers sont bien. Je pense que psychologiquement peut-être que la Team Infinity a dû se sentir mal par rapport à cet own goal. Peut-être Aritoka s'est-il mis la pression un petit peu trop. Attention à cette balle là, c'est GDX qui s'en est saisi, Dalphy qui était bien parti. Spark qui se dégage cette balle, troisième joueur là, Banana, qui n'arrive pas à dégager la balle, c'est cadré, ça a bien été dégagé par Dalphy, c'était dangereux, heureusement, les deux coéquipiers étaient rentrés à temps. Et on est reparti avec THB, THB peut-être, GDX qui va se saisir de cette balle, c'est Banana qui va essayer de dégager, pour Aritoka qui se saisit de cette balle pour Spark. C'était bien exécuté ce dégagement de la part de la Team Infinity. Spar là, Banana, le cadre est manqué de peu, THB qui vient conclure, joliment fait. C'est bien d'essayer de tirer, des fois un tir manqué peut conduire à une passe. Et c'est ce qui vient de se passer je pense. Pour THB, THB qui a bien lu le backboard et qui s'est saisi de cette balle. Et on a un 1-0 pour les Ball Chasers qui sont chauds ce soir, ils n'ont pas l'air d'avoir le temps. Ils sont là pour chercher le 3-0 j'ai l'impression. Même si, d'un point de vue statistique, ils ne sont pas donnés gagnants. Je le rappelle. On a les THB, là. THB qui vient de faire une passe à
Banana. MDR, j'ai vu Infinity, j'ai cru que c'était ma line-up qui jouait sans moi. Tu parles de la SKG peut-être? Je sais plus. Je sais plus quelle autre équipe s'appelle Infinity. En tout cas, on est reparti avec GDX là, peut-être. Non, qui a décidé de laisser cette balle pour Aritoka. Cette balle est plutôt cadrée et crossbar sortante en fait. Au final, Banana Boy qui refait la même passe que tout à l'heure. C'était pour Dalphy ce coup-ci. Attention à GDX là qui est parti avec Spar Double Commit. Double Commit qui va pas pouvoir être saisi par la Infinity. Oui voilà, c'est bien ce qui me semblait, tu es le capitaine de la team SKG Infinity. C'est vrai qu'il y a deux Infinity. Mais là c'est la team Infinity, du coup c'est pas la SKG Infinity. Cette frappe de Aritoka, oh, quel dégagement de la part de Banana Boy qui est chaud ce soir. Incroyable ce save. Il vient de sauver l'égalisation et ça va peut-être être décisif, tant psychologiquement que d'un point de vue score. Attention à THB, THB qui s'est bien saisi de cette balle, c'était pas évident, une balle qui vient de derrière. Si on s'est pas entraîné au Shadow Defense, c'est difficile. C'est la Comet Blue là, qui joue ce soir. Donc je peux remettre le tableau comme tout à l'heure. Je le remettrai entre deux matchs. Pour vous montrer les stats. En tout cas, les Ball Chasers sont très bien partis ce soir. Ils ont l'air d'être chaud bouillant pour aller chercher un 3-0. Les Imazia qui sont bien partis là. La Team Infinity qui va peut-être se saisir d'une opportunité ici. Non, ça a été dégagé par Dalphy. Les Ball Chasers ont l'air de pas trop Ball Chase justement. Sur ce coup, j'ai pas vu trop de double commit, donc c'est assez propre. Attention à Aritoka, il était un peu trop avancé. Il a pas su trop se saisir de cette balle, c'est dommage. GDX qui est parti en l'air. Peut-être qu'il va essayer de retoucher. Contre THB, c'est exécuté avec Aritoka. Aritoka qui va essayer de remettre cette balle en l'air. Attention au fail de Banana là-dessus. Et qui n'a pas su dégager cette balle ce soir. Après la save monstrueuse qu'il a faite. Là, ce coup-ci, il s'est laissé surprendre. Spark qui a réussi à partir devant. Et claquer cette balle sur la crossbar. Pour un but d'égalisation. Allez, ça repartit avec un kick-off. Qui vient à l'avantage des Team Infinity là-dessus. Banana Boy. Qui va partir avec cette balle. Allez, THB. Attention à cette balle. Là, pour les Ball Chasers, Dalphy qui est tout seul pour l'instant. C'est récupéré. Espérons qu'ils vont garder toute leur concentration. C'est souvent les équipes... attention à cette balle-là. Ouh, c'est mal défendu. Dommage. Et c'est Spar qui va se saisir d'un deuxième but pour lui et pour son équipe. C'était compliqué cette balle juste au-dessus de la crossbar, faut pas hésiter à les exploiter. Et c'est ce que fait la Team Infinity, ils exploitent ces saves difficiles pour faire des passes utiles et qui marquent. Du coup là, la Team Infinity est revenue au galop avec un deuxième but et qui va du coup pour l'instant remporter le premier match de cette deuxième game. Leur premier match, hein. Évidemment. Spar. Spar peut-être qui va garder cette balle, je pense, au sol. C'est une balle dangereuse là pour GDX. Ça a été bien défendu, mais ça reste au milieu, ça reste dangereux du coup. Mais ça finit par toucher le sol. La Team Infinity qui a réussi à remporter leur premier match. Et du coup, un partout. Alors, comme je disais, je peux montrer les stats. Si le logiciel le veut bien. Je pense que là, ça n'a pas trop marché, c'est bon. Voilà, donc je montre les divisions là, qui a effectivement, on a les avant-derniers qui sont les Ball Chasers, qui sont du coup pas favoris ce soir, qui vont jouer contre la Team Infinity, qui est numéro 1. Allez, on enlève à nouveau... cet overlay, j'aimerais bien qu'il soit jamais affiché en fait. Ce serait plutôt cool. Et du coup, troisième game.
une gaine peut-être décisive pour les deux équipes qui vont essayer de se dominer maintenant. C'est une game de domination. Bonsoir à tous ceux qui nous auront rejoints directement sur le channel. Ce soir, je rappelle, Comet Blue qui joue avec deux équipes qui sont aux opposés du tableau. Et on a Dalphy qui a réussi à se saisir d'une balle aérienne qui a plané grâce à Banana Boy qui a réussi à faire un joli backboard que Spar n'a pas su se saisir. C'était très difficile de prendre pour Dalphy, je pense, de son point de vue. On peut voir que c'était compliqué. Alors, on a les Ball Chasers qui sont du coup avant-dernier, comme je l'expliquais, au tableau, parce qu'ils n'ont pas leurs 3 matchs, vu qu'il y a eu un disband. Attention à cette balle qui est toute seule, le Spar qui n'a pas de boost, qui ne va pas pouvoir la save. 2-0 pour les Ball Chasers en moins de 30 secondes. Incroyable. Bon, un peu plus même, je dirais, de 30 secondes. Les Ball Chasers qui venaient de perdre leur deuxième game viennent de remonter d'un coup et mettre un coup de grâce à cette équipe de des Infinity. Je rappelle que c'est Team Infinity et pas les SKG Infinity qui jouent ce soir. GDX qui est parti. THB qui fait une balle dangereuse là sur le backboard. Attention, Banana Boy qui va trouver la crossbar. THB là peut-être. Attention à cette balle, Banana Boy encore. Et THB qui n'a pas le temps, qui va remettre cette balle au milieu. Attention à ce que tous les joueurs puissent récupérer cette balle si elle revient dans leur camp. Parce que ça fait des autoroutes, ça peut être assez dangereux. Banana qui a réussi à servir. THB, la frappe de THB. Incroyable cette frappe millimétrée. On a vu cette passe là qui a été très difficile pour Spar. Et ce THB qui vient de nulle part, qui prend cette balle bien sur le côté pour la remettre dans le cadre. Et un 3-0 qui va du coup mettre en grande difficulté la Team Infinity ce soir, qui a l'air d'avoir quelques soucis. Ont-ils du ping? Non, ils n'ont pas l'air. Après, il est vrai que c'est une équipe full PS4, je crois. Il faudra qu'ils me le confirment. Enfin, c'est une équipe Steam. Alors, il y a toujours des disparités de niveau entre les plateformes. Enfin, personnellement, je trouve. Allez, cette balle qui traîne là devant chez les Infinity, c'est compliqué. C'est compliqué. On a Ritoka là, peut-être la balle. Pour l'instant, ils ont du mal à retrouver le mouvement de leur première game. Et de leur deuxième d'ailleurs, parce que bon, la première, ils l'ont perdue, mais à cause juste d'un own goal. THB peut-être là, ce doink qui a failli passer. On a Banana Boy qui va se saisir de cette balle. Ils ont l'air de jouer proprement là, les Ball Chasers. Ils ont l'air d'être tout sauf des Ball Chasers, j'ai l'impression. Hein. C'est ATHB qui a encore cadré une frappe monstrueuse. C'est incroyable cette équipe là. Qui arrive à mettre des espèces de calaches de l'autre bout du terrain. Et ça tombe pas loin à chaque fois. THB avec Dalphy, joli pinch là. Même si c'était un double commit, les pinches en double commit, c'est très utile, surtout quand on n'a pas beaucoup de boost. En tout cas, c'est bien exécuté, le wall drag, le wall air drag qui est passé juste au-dessus de la crossbar. C'était intéressant. Peut-être qu'il a consommé beaucoup de boost, du coup ça met du temps après pour récupérer, mais c'est pas grave. Pour l'instant, ils ont la pression. Les Infinity, ils ont une grosse pression sur leur équipe ce soir. Attention à cette balle qui traîne, Sparp qui va trouver le cadre, et THB qui est chaud bouillant ce soir et qui vient se saisir de la balle. Allez, Dalphy qui va essayer de remettre sur THB, mais THB n'a pas de boost, il va devoir back. Banana qui a réussi à contrer Spar sur cette action, GDX qui s'est entrechoqué. Avec Aritoka là, on a contre Banana. On a que des entrechoquages, c'est incroyable. Attention à Ritoka qui remet cette balle en retrait pour GDX. GDX qui est parti en l'air. Peut-être vont-ils essayer de faire une passe. C'est compliqué de mettre une passe. Là, on a une défense très solide de la part des Ball Chasers ce soir. Ils sont chaud bouillants. Sparky loupe le 4 de peu. Il aurait pu la marquer. GDX. Allez, Banana qui est reparti.
qui cherchent la passe avec Dalphy là. Je sais pas quel niveau ils ont, mais ils sont assez chaud bouillants là, ces Ball Chasers. On comprend pas pourquoi ils sont avant-dernier du classement. Hein. Je pense que vous pouvez vous poser la même question. Infinity, ils sont sur Xbox One. Merci du pour l'info, Zolaski. Merci d'avoir vérifié. 3-0, là, ça fait mal pour la Team Infinity qui, pour l'instant, se fait acculer. Xbox One, du coup, c'est pas mal parce que ça veut dire qu'ils sont sur une bonne console. Parce que PS4, c'était un petit peu lagué, je trouve. Et la manette n'est pas forcément très pratique. Alors que la manette du Xbox One, je pense qu'elle est plus adaptée pour ce jeu. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, ça dépend des goûts. Mais d'un point de vue ergonomie, c'est mieux, je trouve. Allez, on est parti pour une petite balle qui va réduire le score, mais ça va pas suffire pour l'instant pour Spar. Encore une fois, Spar qui a marqué face à cette jolie passe de GDX. Qui a réussi à prendre cette balle de court. Donc là, c'est bien parti pour les Ball Chasers pour gagner cette troisième game. Et du coup, leur deuxième de ce BO5. Aritoka, la balle en l'air. Et ça touche le sol. On a du coup les Ball Chasers qui viennent de remporter un deuxième match. Et là, ça va être décisif pour la Team Infinity qui va avoir une pression immense, je pense, par rapport au fait qu'ils vont avoir deux ballons de match à rattraper. Enfin, un ballon de match et du coup, le deuxième qui va être décisif. On va voir comment ça va se dérouler entre eux. Je ne sais pas s'ils vont réussir à contrer cette défense optimale des Ball Chasers et qui a réussi à faire un effet rouleau compresseur dès le début de game. J'espère que ça va pas leur arriver à nouveau, la Team Infinity. Aritoka qui est parti. C'est dommage, là ça se jette, il n'y a pas grand monde qui est monté au front. Allez, Spar qui est parti. Et je pourrais même dire Sparty. Si je peux me permettre une petite vanne. Allez, c'est parti, Aritoka. GDX qui est parti, qui s'est saisi de cette balle qui était dangereuse, hein, en pleine lucarne. Enfin, presque pleine lucarne, c'était pas loin. Spark qui s'est saisi de cette balle, mais qui va du coup la laisser à Dalphy. Dalphy qui va peut-être tenter une passe avec Banana. THB qui a réussi à bien lire et à partir très tôt. Mais ça a été saisi par GDX leader là. Bel arrêt. THB, une passe sur le backboard qui va pouvoir être saisie. Mais comme Banana était un petit peu mal positionné, il n'a pas pu tirer. Du coup, ça a été bien dégagé pour les Infinity. Ça a été plutôt facile. THB qui s'est affronté avec GDX là-dessus. Banana Boy qui vient de dégager avec GDX. Il va remettre la pression, peut-être. 0-0 avec 1 minute 30. Pour l'instant, les scores sont figés. Spar qui est parti avec la balle. On a GDX qui se saisit de cette balle. C'était resté un petit peu au milieu. C'était dangereux, mais c'est Aritoka qui va repartir avec une balle sur le corner. C'était très bien exécuté, cette multitouche. On est encore revenu du côté d'Infinity. C'est compliqué pour eux. On a vraiment une pression immense qui pèse sur ces Infinity qui n'ont pas envie de concéder un but inutilement et qui restent pas mal en défense, qui ont peur de faire du jeu, j'ai l'impression. On a Spar et Aritoka qui ont subi cette frappe et qui ont réussi à faire un joli double commit save qui a réussi à mettre de l'autre côté du terrain, donc du coup c'était assez efficace. Attention à cette balle qui revient. Spar qui a contrôlé ça pour GDX qui est parti. C'est dommage, il aurait pu peut-être faire un demi-tour pour son équipe, mais il joue la sécurité, j'ai l'impression. Ah, on a les Ball Chasers là qui ont perdu leur rythme un petit peu, j'ai l'impression qu'ils trouvent pas trop les occasions au front, limite comme s'ils avaient peur de gagner. GDX qui a fait un joli dégagement là, qui va pouvoir être profitable. Allez, Dalphy. Aritoka, attention cette balle là qui est un petit peu dangereuse avec des rebonds très bizarres. Spar peut-être. Oui, c'est la lucarne de Spar qui a réussi à se saisir de ces rebonds très chelous qui ont pris THB n'importe comment.
THB qui n'a pas pu lire ce double rebond cancérigène, on va dire que là c'était très difficile pour lui de défendre ça. Il aurait peut-être pu rester un peu en retrait le temps de voir comment ça se passait. En tout cas, le premier but qui va se jouer là-dessus pour la Team Infinity, peut-être qu'ils vont regagner du poil de la bête psychologiquement. Attention à cette balle là qui va surprendre Aritoka, c'était pas cadré heureusement. Mais de notre point de vue, on avait plutôt l'impression. GDX là qui va dégager cette balle pour Aritoka, qui a trouvé Dalphy aussi en même temps. Au passage, Banana Boy sans boost qui a réussi à défendre cette balle in extremis. THB peut-être là qui remet dans le corner. Allez. Les Ball Chaser là qui était pas trop mal sur la troisième game, mais là qui ont du mal à trouver des occasions. Peut-être que les Infinity se sont ressaisis. Ils sont bien partis là, c'est Infinity pour faire une remontada. Banana Boy là qui va essayer de faire un flick, c'est un petit peu faible. Sparky s'en est saisi. Ah, Dalphy qui a été bloqué, THB qui a réussi à partir sur cette balle. C'est du jeu un peu plus rapide donc ça va. Aritoka qui a tenté une passe pour Spar, et Spar qui vient de trouver le cadre. Très belle frappe de Spar. C'est l'homme du match ce soir pour cette Team Infinity. Spar qui a marqué quasiment tous les buts pour son équipe ce soir. Incroyable. 2-0 pour la Team Infinity qui remonte du coup de ce 2-1. De ces deux games qui n'ont pas gagné, du coup ils ont ce quatrième match à gagner et le cinquième pour eux, espérons pour eux. Mais les Ball Chasers sont assez chauds ce soir, peut-être qu'ils ont déjà épuisé toutes leurs cartouches pour faire quelque chose d'intéressant. Attention à THB qui va peut-être marquer, il n'a pas de boost THB, mais c'était quoi cette vitesse? C'était très bizarre, et on a l'impression que sa voiture n'avançait pas au rythme normal. THB qui n'a pas pu se saisir de cette balle, on n'a pas compris. Peut-être que sa manette est cassée, je ne sais pas. En tout cas, ils ont loupé le 2-1, qui va peut-être être décisif sur cette game, et je pense que ça va l'être, vu qu'il reste que 10 secondes pour marquer deux buts, ça va être très compliqué pour ces Ball Chasers qui vont du coup se prendre cette quatrième game. Et c'est l'Infinity qui vont remonter de partout. Et oui, c'est parti. De partout, du coup. J'avais oublié de marquer le score juste avant. On est remonté de partout pour les Infinity. Ils vont souffler un peu. Je pense que d'un point de vue psychologique, ils se sont ressaisis. C'est une bonne chose, en tout cas, pour eux. Qui défendent leur première place, coûte que coûte. Les Ball Chasers qui vont peut-être réaliser l'imprévu surtout. S'ils arrivent à gagner cette game, c'est dommage qu'ils se soient pris ces buts. Mais en tout cas, les Infinity ont très bien joué collectivement, c'est ça qui était bien. Attention à cette balle qui est toute seule, il n'y a pas de défenseur. Et c'est le premier but de Spar. Les Infinity qui se sont réveillés littéralement, j'ai l'impression. Et surtout que les Ball Chasers ont l'air d'avoir épuisé toutes leurs cartouches et sont devenus un peu plus passifs par rapport au game qu'ils ont gagné. Ils ont l'air d'avoir... Ouh, attention à cette balle là, Aritoka qui a réussi à se saisir de cette balle qui était en bas du corner du but. Cette balle encore, un deuxième save là de Spar. J'ai l'impression qu'ils jouent un petit peu plus défensif. C'est Infinity et qu'ils arrivent à trouver des occasions quand ils veulent. Ils vont essayer de maintenir ce très bel arrêt de Aritoka là-dessus. Cette balle était dangereuse. THB là qui a dû s'épuiser aussi à force de tout jouer. Mais on a Spar lui qui ne se fatigue pas là pour l'instant. Attention à ce double commit. Je pense que les Infinity sont très solides psychologiquement et c'est ça qu'ils vont faire, qu'ils gagnent ce soir parce qu'ils étaient mal barrés. Je trouve les Ball Chasers là qui peinent à faire des occasions. Aritoka qui s'est fait bump par Dalphy, mais c'est Spar qui va se saisir de cette balle. Banana Boy qui a réussi à défendre comme il peut cette balle.
THB qui va se laisser surprendre par cette balle de Spar, très belle frappe de Spar à partir du ceiling, je crois. Oui, c'est ça, c'est Spar qui est parti littéralement du plafond et qui vient de mettre une très belle balle. Très jolie action de Spar en solitaire, mais GDX était derrière pour assurer le coup au cas où. C'est incroyable qu'ils arrivent à caler une frappe pareille. En théorie, c'est pas souvent possible si le jeu est plus effréné du côté défensif. Spar qui a réussi à prendre cette balle, mais ça a été très peu dégagé du coup. THB, peut-être. Les Ball Chasers là qui sont acculés hein, sur cette cinquième game. Ça va être compliqué pour eux. La troisième but de Spar face à cette défense. Les Ball Chasers, un peu difficile pour THB de prendre cette balle. Très très compliqué là, les Ball Chasers qui auraient pu faire ce qu'il fallait pour gagner et qui maintenant ont des difficultés. J'ai l'impression qu'ils ont eu peur de gagner. Spar qui vient de marquer un quatrième but, là c'est limite fini. Les carottes sont cuites je pense là pour les Ball Chasers avec ce quatrième but, mais ne sait-on jamais, 3 minutes ça peut être remonté. On peut s'attendre à tout. Allez, les Ball Chasers là qui peuvent se ressaisir, je pense. THB qui n'a pas trouvé le cadre là-dessus. Peut-être un deuxième coup. Non, ça a été un poteau sortant. C'est dommage, ça aurait pu permettre à cette équipe de remonter un petit peu. Mais du coup, pour l'instant, les Infinity qui sont très solides, tant défensivement qu'en attaque, et arrivent à ponctionner des buts par-ci par-là. Avec des belles actions. Sachant que, je rappelle, le premier match a été perdu par la Team Infinity à cause d'un own goal. Et qu'ils avaient perdu leur troisième match. Mais là, un peu plus parce que les Ball Chasers ont été complètement décisifs sur ce match. Là, j'ai l'impression qu'ils se sont fatigués, là, les Ball Chasers. Et qu'ils ont du mal à récupérer du poil de la bête pour finir ce BO5. Et oui, comme les matchs ne se jouent pas que sur un seul, c'est compliqué de tenir le coup sur 5 matchs d'affilée. Je pense qu'ils ne doivent pas avoir l'habitude. En tout cas, les Infinity sont bien rodés. Et même si on vient de voir un joli kebab bizarre, au moment où je dis ça, Banana qui est parti avec cette balle. Allez, le Haritoka. Haritoka qui est parti. Petite pour GDX qui va continuer cette balle. Là, il est tout seul en face des buts et c'est dommage, il n'y a personne qui s'est saisi de cette balle. Je pense qu'il y en a qui sont déjà partis du stream parce que ils ont vu que le score était cuit. Je pense que les supporters sont déjà partis. Ah, Banana Boy qui vient de remonter de un but, mais jolie action là. On a cette défense qui était un peu difficile, THB qui a bien servi. Banana Boy. Allez, on y croit. 1 minute 30, on y croit, il peut y avoir des buts au kick-off, il peut y avoir des belles actions qui débarquent de nulle part. Et on est parti les THB. Je dis les THB, je dis les Ball Chasers, mais comme c'est THB, bah je vois THB, voilà, je vois du THB partout. Ça a été l'homme de leur équipe, je pense, le THB ce soir. Et de l'autre côté, on a Spar qui a marqué la plupart des buts, mais qui ont Haritoka qui a fait un très beau travail, toutes les GDX aussi. Je pense que là, on a une très belle équipe collective. Parce qu'il faut savoir que c'est important d'avoir un très bon passeur et un très bon tireur. Même si on sait faire à peu près tout. C'est important d'avoir des joueurs qui ont ces caractéristiques pour avoir un jeu collectif comme on vient de le voir ce soir. Pour l'instant, c'est compliqué. Les Ball Chasers qui vont essayer de trouver le cadre. Spar qui s'est saisi de cette balle. THB. Banana qui a réussi à mettre cette balle dans le corner pour Dalphy. THB. Peut-être pour le dégagement de Dalphy. C'était un petit peu au-dessus. C'était compliqué à prendre. Là, je pense que là, les 15 secondes restantes vont être sans appel pour la Team Infinity.
Dalphy, Dalphy qui va tenter de réduire le score malgré les 6 secondes restantes. Mais ça va être du coup une remontada, comme je pensais, de la Team Infinity. Joliment joué, 3-2. Quel match. Quel match ce soir qu'on a pu voir. C'est impressionnant. Très beau jeu là de la Team Infinity qui a réussi à remonter. Mais les ball chasers ont été assez propres, je trouve. GG's, je vais leur dire aussi. Incroyable cette game ce soir. On pensait pas que les ball chasers allaient se refaire rouler après derrière. Et c'est arrivé. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, si vous avez des retours quelconques, n'hésitez pas. En tout cas, pour ce soir, on a que ce match, je crois. Ça dit GG's sur le Discord. Le scrim ce soir, je suis dispo à partir de 20h30. Très bien. Alors, on va essayer de faire un scrim ce soir pour notre équipe. Voilà, voilà. En tout cas, les ball chasers qui avaient réussi à obtenir leur premier match sur ce own goal, parce que les Infinity avaient réussi à remonter, à regagner du poil de la bête, c'était déjà un premier match incroyable. Et qui montrait que les Infinity n'étaient pas non plus au top top et qui avaient eu du mal à s'échauffer, quoi, je pense. Mais ils ont réussi à remonter et psychologiquement à tenir le coup, et ça c'est une très bonne qualité d'équipe, bravo à eux. Il y a eu des très beaux buts des deux côtés. Voilà, en tout cas merci à vous pour ce beau match. On peut sentir que j'ai un peu plus de fatigue que les jours précédents. Mais voilà. En tout cas, je pense que je vais vous laisser maintenant là-dessus. Je vais vaquer à mes occupations. Je vais voir qui c'est qu'il y a sur Rocket. Est-ce qu'ils ont fait une diffusion ce soir ? Rocket Beans, c'est quoi ça? Je ne sais pas. Alors. Très belle action là. Franchement, joli match des deux côtés, je trouve. Alors, je sais pas, je vais voir Hello RL. Allez, c'est parti. Je ne le connais pas, je vais voir si c'est propre. Merci à vous en tout cas d'être présent pour les matchs à chaque fois. Ça me fait très, très plaisir que vous soyez là. Évidemment, comme tous les soirs. Ou quasiment. Alors, il y a des drop edge frames. D'accord, très bien. Ok, il y a eu des... Je pense que ça doit être... Je sais pas si c'est à cause du serveur ou quoi, mais bon. Alors je sais pas si vous êtes toujours présent, mais je ne vois pas grand monde qui a parlé dans le chat là. Alors je sais pas si c'est le chat qui a bugué ou quoi, mais voilà. Si vous avez un petit mot avant la fin. En tout cas, je vais vous laisser, je pense.
Et je vous dis à la prochaine, du coup, n'hésitez pas à follow le Discord pour savoir quand est-ce que il y a un match qui est en cours. En tout cas, je vous dis à bientôt pour des prochains matchs. Tu laisses la vidéo visible pour qu'on puisse revoir ça? Oui, je laisse la vidéo visible et elle se retrouve sur YouTube dans tous les cas pour que vous y gardiez une marque. Voilà, donc la chaîne YouTube, vous l'avez aussi sur la chaîne en... Un panneau, voilà, un panel, voilà, je trouve pas le mot en français. Vous avez un panneau sur lequel vous pouvez cliquer et voilà, vous avez la chaîne YouTube sur laquelle tous les matchs des RBRS saison 3 sont remis, ceux que j'ai cast en tout cas. Et sinon, oui, vous avez la vidéo qui reste sur Twitch avant qu'elle soit supprimée automatiquement, c'est pour ça que je les laisse. Bah merci à toi, THB, t'as fait un très bon jeu ce soir, c'est dommage que vous ayez perdu là-dessus. Mais gros GG quand même, parce que c'était pas évident. Vous voyez que vous avez balancé toutes vos cartouches sur les premiers matchs, que les suivants ça a été un petit peu compliqué, et que c'était un petit peu fatigué, c'est normal. Là, il y a la fatigue cérébrale un peu, je pense, ça devait être un peu plus compliqué, à moins que vous ayez vu un truc en particulier. Moi je pense que c'était surtout ça qui a joué, le fait que vous ayez joué contre une très bonne équipe, qui a fait que... Vous avez eu du mal après pour caler des grosses actions quoi et remettre la pression. Mais en tout cas, c'est dommage, c'était pas passé loin. Merci à vous et je vous dis à bientôt. Tout simplement.